Alors, pareil, donc vous avez perdu votre valeur. Donc je vais compter. On n'a pas lancé. Eh ben, je vous en prie. Attendez qu'ils nous le disent. 15. Bah. Putain. Donc, le plus simple pour moi, c'est que je vais compter de 1 à 20 et plus. Et dès que vous entrez votre valeur, vous me dites votre nom. Ok. Donc 1, 2, 3, 4. Donc Luca. 4. 5. 6. 7, 8, 9. Alors il va me falloir une fiche pour Boring. Donc 9 et ensuite, ben. What t'as fait combien? 15. C'est le démon. C'est ça? Oui. Donc, ben, et je devais avoir un petit papier pour les gobelins et j'ai un petit papier pour les gobelins. Parce que j'ai toujours trop de gobelins. Donc, t'as le gobelin numéro 3 qui est encore en train de farfouiller. T'as le gobelin numéro 1 qui fait. Numéro 2 qui fait. Descends de là, c'est du repéré! Donc, il lâche son pote est. Ah putain! Et tu le vois qui sort une petite lame complètement rouillée, tu te demandes comment ça tient ce truc là, et il est là. Eh, je t'attends! Ah, qu'il est de rien. Donc, ta Jejvar, je t'en prie, donc c'est ton tour. Non, mais juste alors, ta Jejvar. Il aime pas son nom, je crois. Je précise bien, tes potes dorment. Ouais. Donc. Oh, putain, on s'est pas réveillé avec tout ça! Non, ils sont quand même pas dans le feu. Ils crient pas tant que ça, moi je crie pour eux. Bon, bah, vu que tu grillais, est-ce que je peux crier ou hurler à mes compagnons de se réveiller? Tu peux faire ça. Je peux faire ça. Alors je hurle. Ils vont pas faire ça, je sais. Vu que je suis grillé, je m'en fous. Est-ce que je peux crier et en même temps sortir mon arme? Alors, sortir ton arme, c'est une action de mouvement. Oui. Crier, c'est une action libre, donc tu t'en sois rapide, donc tu t'en fous. Et après, il va te rester une action simple, tu es trop loin pour attaquer. Donc la seule chose que tu peux faire, c'est soit genre sortir ton bouclier, soit avancer vers lui. Mais t'avais déjà ton arme. T'avais ta masse d'armes à la main. Ah oui, c'est vrai. Donc tu as déjà ton arme. Donc si tu veux, tu peux crier, avancer vers lui et l'attaquer. Je fais ça. J'ai demandé un jet de perception à ceux qui dorment. Attends, il est où mon dé? Genre quand tu cries, à moins de faire vraiment un jet de merde. Un peu comme Boring, par exemple. Je m'entends pas. Attends, moi, c'est où perception? Ah, c'est dans les compétences et c'est pas dans la politique. Moi, tu m'écris un truc là, plus 5, plus 6. Tu prends le plus haut. Le quoi? Ah non, attends. Non, tu me. Je t'en ai mis plusieurs, n'est-ce pas? Oui, alors, donc c'est plus 5 et plus 6, c'est pour les. Bah non, t'as pas les pièges, pourquoi je t'ai mis ça? Oui, pardon, excuse-moi. Plus 5, c'est. En fait, c'est le. Bordel. C'est le bordel. Oh là 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 là. Ça c'est quand t'as ta chouette et ça c'est parce que. Oui c'est ça. Alors, ce sera plus 6. En fait si tu veux tu as un peu. Ouais mais tu t'en fous de l'obscurité donc ce sera plus 5. Non attends. Faut savoir hein. Alors, je t'explique, de base t'as plus 3. Oui. À cause de ta... Enfin, grâce à ta sagesse. Quand ta chouette est à portée de main, je dis bien à portée de main, donc c'est littéralement, oui. Tu as un bonus de plus 2. Donc tu passes bien à plus 5. Hein. D'accord. Et quand t'as. Ah, en fait, c'est pas plus 5 que j'aurais dû te mettre. C'est pas plus 6, c'est plus 8. Et quand ta chouette est à portée de main et que tu es dans l'obscurité, donc faut quand même que tu aies les yeux ouverts, t'as un bonus de plus 3. D'accord. Voilà. Donc là, c'est seulement plus 5. D'accord. Donc j'ai fait 16. D'accord. Moi, j'ai fait 22. Eh ben, je pense que tout le monde va pouvoir se réveiller. Donc. C'est bon, t'as vu comment il gueule, lui. C'est parfait. Donc, Tayesh, je t'en prie. Donc, Jèche. Putain, j'y arrive pas, je suis désolé. Tayesh. Tajesh, donc je t'en prie, avance. Ah, tu te mets sur une. Non, attends. Tu évites de contourner un ennemi parce que là il va en profiter pour tout un coup. Donc tu vas au plus simple, t'avances jusqu'à lui et tu frappes. Sur sa case ou la case à côté? À côté, voilà, là, c'est très bien. Oh! Je lui réflexe. Ouais, par contre, t'as quand même bien avancé le. Non, surtout par terre. Je vais Non, bon, c'est de l'eau au pire. D'où l'avantage de ne boire que de l'eau. C'est ça. Ça se la pète encore. Hein. Et, oui, excusez-moi. Non. Ils sont presque mignons. Ils sont presque mignons. Qui est presque mignon? Les gobelins. Je pense qu'il sera mignon jusqu'à ce qu'on va voir. Façon, ça sera mignon. Il sera mignon quand il sera mort. Conclusion de ce cursus, un gobelin, c'est mieux quand c'est mort. Donc, je t'en prie, donc le jeu d'attaque, j'ai besoin de quelque chose. Tu veux pas... Non, mais t'inquiète, je dis pas ce truc, je t'en mets toi. Le résultat, je le combine avec quoi? Alors, c'est ton bonus d'attaque au niveau des armes.
bonus. C'est Bilbo. Ah non, c'est bon. Attaque. Qui okay. 4. Petit 4. Alors tu rates lamentablement sa pauvre gobelin. Oh non. Bravo. Borin, alors là il sort de sa torpeur. Quoi, qu'est-ce qui se passe? On nous attaque. Il sort sa pioche de guerre et puis il est debout. Oui bah c'est un nain, j'ai envie de dire, un nain mineur. Alors Nato. Oh, putain, je vais vraiment avoir du mal quand même. Hein. Nato. Je fais quoi? Je jette les dés. Alors, le plus simple, c'est que tu viens de te réveiller, ça te prend déjà une partie de ton tour. Tu peux faire une action de mouvement pour te lever et une autre pour sortir une arme. Bah, alors, je te précise un truc, quand tu dors sans armure. D'accord. Donc là, tu n'auras quasiment pas d'armure. Donc si tu veux prendre ton bouclier, c'est le moment. Et enfiler une armure prend beaucoup de temps, donc tu n'auras jamais le temps de la enfiler maintenant. Je prends mon bouclier, bon, c'est tu te lèves, hein, tu sors une arme et un bouclier. Oui. C'est bon. D'accord. T'es pareil. Okay. Luca. Si. Oui. Ah, que si. Comment est-ce que tu debout. Bien, bien. On voit comment on est limité quand même en espagnol. Un mot bien espagnol. Hein. Hablo espagnol, es muy fácil. Facile. Mais non. Ma prof de lycée, pour nous faire comprendre qu'on était bien nuls, nous disait toujours vous êtes comme Homer Simpson, espagnolo. Espagnolo, espacilo. Apparemment, Homer Simpson dit ça, voilà. Et c'est vrai qu'elle était pas loin du compte. Donc je me réveille, hein. Donc tu te réveilles, pareil, je suppose que tu sors. Ben oui, mais éventuellement. Mais j'ai quoi comme. Dis-moi, t'as préparé tes sorts au fait? Parce que j'ai quand même oublié de te demander, mais. Non. En fait, si tu t'as, quand je t'ai donné des fiches, j'ai oublié de te dire, mais il faut que tu prépares tes sorts en fait. Oui, tu oublies. Tu veux bien faire ça maintenant, s'il te plaît? Faut que j'en prépare combien? Alors, 3 de niveau 0 et 2 de niveau 1. Bon, ça c'est bien noté. Ah, mais du coup, ça tombe bien parce que. J'en prends le plus utile. Vous risquez d'être attaqué de toute façon, donc t'as probablement trouvé un truc offensif. Sinon, si t'as un panneau de musique, Eric, je peux aussi t'enfiler. Non, non, du tout. J'ai toute la BO de Skyrim et. et de Train 2 aussi. Ah, je vois que tu as la référence. C'est super pour s'endormir la musique de Train 2. Et le poney, il va pas trop de trucs offensifs, hein. Non, pas beaucoup. Le poney, il peut pas. Le poney, il dort de son côté. D'accord. Il a peut-être. Il est pas réveillé, le poney. Étincelle. Plus pour le poney pour que c'est pour le poney. C'est son niveau 0, le poney, pour ce que c'est compagnon. C'est pas tel sort de niveau 1. Et les compagnons, je sais qu'ils vont bien. C'est ceux-là qui vont faire des dégâts au final. D'accord. Sauf si t'as envie de te mettre à l'arbalète comme ça au début. Comme ça, là. Au feeling, hein. Au dépoté. Ah, ça c'est... Non. Rayon affaiblissant. Ah, main brûlante. Oui. C'est bien ça, c'est du feu. C'est les bien. Chariots sont en bois. Ça brûle. D'accord, effectivement. C'est un très bon sort, mais il y a des situations où on va c'est... pas y arriver. Oui, on va pas y arriver. Je crois que tu avais écrit Strident, maman. Écrit persan. Ah oui, oui, tout à fait. J'ai écrit la fiche juste pour toi, donc normalement il y est. Mais effectivement, cri persan, d'accord, donc je vais prendre cri persan. Si tu me prépares deux fois, trois fois, deux tacs de droit à maximum. Bah non, c'est deux fois. Bah oui, d'accord, oui. Ça marche. Donc tu as préparé deux cri persan. Donc si tu as envie de utiliser un sort ou pas, donc là tu te lèves, est-ce que tu sors une arme ou est-ce que tu veux lancer un sortilège ou... Bah, je viens de me réveiller, donc oui. Je suis peut-être pas encore super OP, donc on va dire que je sors ma... Du coup, de toute façon, ma dague. Une dague ou une arbalète? Bah, dague. Je sors ma dague. Ça marche. Bon, tu vois un peu ce qui se passe autour et tu remarques au moins un gobelin en face de toi. Et bah, c'est leur tour. Putain, j'ai bien fait de prendre mon bouclier, je sais pas pourquoi. Alors, le numéro 3, il redescend du chariot, il sort un couteau. Ils sont nombreux quand même. Ouais. Yatta! Ils attaquent. Ça sera tout pour lui. L'autre, il est en train de. Il se jette hors du chariot, pareil avec un couteau. Putain, il s'attaque tous vers toi, putain. Et du coup, il sait pas où donner de la tête pour le moment. D'accord. Mais ça commence à devenir dangereux. Alors, il y en a deux sur toi. Sympa.
Mais il m'attaque pas. Il y en a qu'un seul qui t'attaque, sous l'eau t'as perdu du temps à redescendre du chariot et à sortir son arme. Donc, il essaie de te planter avec son... Numéro 2. Oui. D'accord. Crève. T'as combien de classes d'armure, c'est très bien. C'est où sa classe d'armure? C'est A. C'est de l'autre côté. On verra tout ce qui est important, ça va être là. Donc c'est ici. 16. 16. Alors je vois son jet d'attaque, elle dit. Donc il a... un... Pardon. Son arme ricoche sur ta côte de maille. Tu t'en sortiras cette fois. Donc... C'est pas passé long. Ta gèche. Oui. Bon. Bien. Je vais faire des progrès, tu vois. Ta gèche, je t'en prie. Bah, j'attaque avec ma masse d'armes. Alors, lequel tu attaques? Numéro 2. Ça marche, vas-y. 8. Ça marche. Est-ce que tu veux faire autre chose? C'est pas 8 plus 1, non? C'est pas 8 plus quelque chose? T'as un bonus, mais là, oui, c'est pas suffisant. D'accord. Non, mais même, j'ai... Attends. Ouais, non. Comme tu sais pas trop où t'es potentiel, tu peux toujours crier un « Levez-vous, on est attaqué ». Je t'en sais rien, là, t'es qu'est-ce que vous foutez, putain? Bon. Alors là, t'as Boring. Alors, le problème, c'est que Boring, il se déplace de... c'est ça, un 4 cases par toi. Boring, oh putain. Venez m'aider. 3, 4, 5, voilà. Il se déplace de là, mais il peut pas faire autre chose. C'est beaucoup trop pour un nain. Ah, ça a des petites jambes, hein. J'arrive. Luca. Si. J'ai pas sauté le tour de quelqu'un. Si, la dernière exemple. Non, Renato, t'es après. Ah bon, je suis après. Oui, il me semble bien. Ah bon, ok. T'avais fait 4 d'initiative, non? Ou 5, t'avais fait 5. J'avais 5 et moi j'avais fait 4. Donc, non, t'avais fait moins. Oui, il a fait 3 ou... Je sais pas pourquoi ça a été inversé. Donc, Renato, d'abord. Enfin, moi. Je me déplace et je vais attaquer les nains. Alors, tu as le droit à 6 cases. Oui, parce que j'ai pas mon armure. C'est ça. T'as le droit à 6 cases. Et si tu vas au-delà... Non, c'est bon, tu peux faire 6 cases et attaquer le premier que tu vois. 1, 2, 3, 4, 5. Ça marche, vas-y. Je lance. Donc, c'est le numéro combien? J'attaque le 1. D'accord, vas-y. Je protège mon deal, non. Je sais pas si je vais protéger grand-chose. J'ai fait 7. Et initiative, j'ai 1. Ah non, c'est le bonus d'attaque. Alors, je sais pas quelle arme tu utilises, toi. T'es allé à l'épée longue, non? Ouais, l'épée longue. Donc, ça te donne 13. 12. Donc, 12, non, tu rates le gobelin. Oh putain. Il se penche au dernier moment. Et ils sont relous, tes gobelins, là. Oui. Merci. Luca. Donc, j'avance, hein, je suppose. Je t'en prie, vas-y. Donc, pareil, t'as le droit à 6 cases. Si tu vas au-delà, tu pourras rien faire d'autre à ce tour. D'accord, bah, 6 cases, de toute façon. Mais comme toi, t'attaques à distance, à la rigueur, c'est pas grave si tu t'approches pas trop. Ouais, je vais rester un peu en arrière, hein. Y'a pas de soucis. Alors, ton sort, il a quelle portée? Alors, il va avoir portée... Courte, 7m50, c'est ça, ouais, non, celui-là, c'est bon. Donc okay. D'ici, tu peux avoir le premier gobelin. Ok, d'accord. Donc, tu lances un cri perçant. Est-ce que je peux voir la fiche de... Je ne connais pas ce sort, donc... Alors, alors, donc le personnage crie, pousse un cri retentissant inaudible, sauf par la cible, ce qui est quand même bien pratique. Alors, la cible est TBT pendant un round. Ah, ça c'est cool. Il reçoit un des 6 points de dégâts sonores. Un jet de sauvegarde réussit, annule les vêtements et réduit les dégâts de moitié. Alors, il va faire un jet de vigueur pour résister à ton cri. Bon, il a pas l'air très affecté, mais. Ça pique. Aïe. Alors, tu vas me faire les deux. Tu vas me lancer un des 6, c'est un des 6 dégâts, c'est ça? C'est écrit où? Ah, oui, un des 6. Alors, vas-y. C'est celui-là. 4, ça marche. C'est numéro 1. Suivant, qui sera les gobelins. Alors, bah écoute, il y en a deux qui sont sur toi, ils ont l'air bien contents d'être sur toi. T'en as juste un qui va se décaler par ici. Voilà. Et les deux essaient de te mettre un coup de dague. Crève. Alors, le premier te rate. Le deuxième fait bouger la table. Le deuxième te rate aussi. Alors, t'as celui qui est en face de toi. Ouais. Toi là. C'est bien. Viens, coquine. Alors, t'as ton bouclier, n'est-ce pas? Oui. Alors, ça te fait une classe d'armure de 13 à 14, donc c'est bon. Il te rate. Tu veux pas avec un bouclier. D'accord. Ta gèche. Je vais y arriver. Je retente un coup de masse. Je t'en prie, essaie de ne pas le rater cette fois. J'espère.